Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Quinzel Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Aujourd'hui, c'est le jour où il y a le Père Noël qui arrive et qui va donner plein de cadeaux. Et moi, je veux plus de cadeaux encore, je vais demander au Père Noël. Mais faut que je réveille Lucas. Lucas, réveille-toi, oui, Lucas. Oui, quoi? Lucas, aujourd'hui, cette nuit, il y a le Père Noël qui vient ramener les cadeaux sous le sapin, tu sais. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bah ouais, bah faut pas oublier, c'est super ultra important, hein. Moi j'ai demandé plein de cadeaux, j'ai demandé une voiture, j'ai demandé une grande maison de Barbie, j'ai demandé plein de faut trucs. Faut pas te dire, sinon ils vont pas venir, les cadeaux. Bah ouais, mais c'est surtout, on a la cheminée, elle est beaucoup trop petite. Jamais les cadeaux, ils vont passer dans la cheminée. T'imagines comment une voiture, elle peut passer par la cheminée? Bah, ils ont qu'à la rétrécir. De quoi? Non mais faut surtout pas rétrécir mon cadeau. Faut que ce soit un gros cadeau. C'est vrai, faut l'agrandir. Bah oui, faut agrandir la cheminée. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va à la cheminée et puis on récupère les cadeaux du Père Noël à la cheminée directement. C'est pas bête ça. Comme ça, on lui prend ses cadeaux directement et comme ça, ça se fait, il va dire « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont ultra gentils ces enfants, ils ont été super sages et en plus, bah, je suis même pas obligée de descendre dans la cheminée grâce à eux. » Et du coup, bah, je vais leur offrir encore plus de cadeaux. C'est quand même une trop bonne idée ça. Tu dis que t'es pas bête. Ouais, faut juste trouver un moyen pour monter sur le toit pour la cheminée. Bah attends, dans le jacuzzi, je crois qu'il y a la place. Ouais. Vas-y, on va voir. Viens, on va tester. Regarde, là, il y a grave la place là-dedans. Si tu montes, comme ça. Ouais. Attends, faut mettre les salades de papa. Attends, je vais mettre l'aisselle de papa. Oula, oula. Ah. Ouais, je crois que l'aisselle, là, elle tient super bien. J'arrive. Ah, je crois que t'es tombé du toboggan. Oui, c'est dans la piscine. Je suis là. Regarde, t'as vu l'aisselle, elle tient super bien. Regarde les pieds. Regarde, elle est super équilibrée. T'as vu? Oula. Attends, vas-y, je teste en premier pour voir si c'est bon. Yes, c'est bon. Vas-y, monte. J'arrive. Voilà, on y est trop fort. On a pas besoin. Vas-y, du coup, on l'attend ici. Ouais, on va l'attendre à la cheminée. Tu penses qu'il vient dans combien de temps, le Père Noël? Bah, je pense qu'il arrive à minuit, mais je suis pas sûr. Vas-y, viens, on se cache un petit peu ici, là, pour pas que s'il vient de ce côté-là, il nous verra pas tout de suite. Mais ouais, c'est grave une bonne idée, ça. Tu penses qu'il va... Oh, regarde. Regarde, je vois des trucs qui brillent dans le ciel. Mais moi aussi. Ah, c'est lui. Oh, j'ai le Père Noël. J'ai le Père Noël. Casse-toi, Père Noël. Casse-toi. Regarde, il me pose le traîneau. Oh my god, c'est la première fois que je te vois en grand plus. Oh. Trop fan de lui. Pourquoi on peut lui demander des autographes? Ouais, je crois qu'on pourrait lui demander un autographe carrément. C'est trop une star, le Père Noël. Je le suis même sur Instagram. Mais il a Instagram, le Père Noël? Bah ouais, il a Instagram. Et même, il fait des jeux concours. Il fait des placements de produits. Oh, Père Noël! Bonjour les enfants. Père Noël, Père Noël. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? Vous n'êtes pas censés vous coucher? Bah, c'est un peu dangereux. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est une journée, c'est une nuit très spéciale, monsieur le Père Noël. Et oui, Père Noël, c'est très spécial aujourd'hui. Bah oui, je sais que c'est spécial, mais vous avez pas à être sur le toit. Les cadeaux, vous les aurez, vos cadeaux, restez pas sur le toit, quoi. Mais monsieur le Père Noël, jamais les cadeaux, ils vont passer dans la cheminée, donc on s'est dit qu'on allait monter, vous aider à prendre des cadeaux. Si, ils vont lâcher passer. Mais non, regardez monsieur le Père Noël. Regardez la cheminée. Elle est trop petite. Bah oui, bon. Mais moi, j'avais commandé une Lamborghini, une grande maison de Barbie, j'avais commandé, j'ai commandé même une cuisine. Une cuisine cuisinée là. Sauf que bah, moi c'est pas ce que j'ai sur une Ferrari. J'ai aussi commandé un château. Et j'ai aussi commandé une grosse voiture, une limousine.
que ça va pas passer là-dedans, monsieur. Sauf que les enfants, c'est pas ce que j'ai sur votre liste. Parce que toi, la fille, ce que j'ai sur ta liste, c'est une poupée Barbie. Enfin, deux, une ou deux, ouais, bah, je t'en ai pris deux, tiens. Et toi, le garçon, il y a sur ta liste un pack de cinq petites voitures. Donc, c'est pas ce que j'ai commandé. Mais vous êtes trompé. Vous êtes trompé, monsieur le Père Noël. Oui, hein. Vous êtes trompé, monsieur le Père Noël. Attendez, vous parlez des deux Barbie plus la grande maison ? Bah non, que deux Barbie. Mais ça va pas. Et monsieur le Père Noël, vous voulez parler des 10 voitures. Les cadeaux. Des voitures, hein. On est venu pour vous aider, vous inquiétez pas, on peut prendre les cadeaux si c'est ça le problème. Vous inquiétez pas, monsieur le Père Noël. On a été très sages. Vous avez que ça comme cadeau, vous avez que ça sur votre liste. Mais monsieur le Père. Tu penses qu'il s'est volé, le Père Noël ? Oui, Wesley, il s'est volé, le Père Noël. Attends. Il a l'air très content. Tu penses qu'il va bien, le Père Noël ? Mais c'est pas... Je pense, hein. Au pire, tu sais quoi, au cas où, on peut distribuer les cadeaux à sa place. Bah ouais, au pire, entre-temps, comme ça, après, je pense qu'il est juste fatigué. Il a beaucoup travaillé, et je pense qu'on doit l'aider. Il est en train de dormir. Bah oui, il est en train de... Regarde, il a l'air si paisible. Il a l'air si paisible, le Père Noël, par terre, là. Il fait une bonne sieste, ce serait dommage de le réveiller. Et puis, ce que je propose, c'est que si on distribue les cadeaux... Bah vu qu'on l'aura aidé, bah je pense qu'on a le droit à un plus gros cadeau. Mais c'est pas bête ça, tu sais. C'est très intelligente. Ouais, et ouais. Allez, viens. Faut faire attention à la glisser en vrai aussi. T'as dit quoi ? Dis, faut faire attention à pas glisser comme le Papa Noël. Ah oui, faire attention, ça glisse sur le toit. Hein. Surtout que là, il naisse partout sur le toit, donc c'est pour ça. Ok, viens, on va prendre le traîneau. Oh, t'as vu comment les rennes ils ont soulevé le traîneau? Oui, c'était trop mal. Vas-y, Rudolf, va en face. On puisse leur donner leur cadeau. Attends, je vois par le traîneau là. Ouais, en plus, je vois même pas dessiner. Vas-y, c'est bon. Balance les cadeaux là. Hop, ça y est. Plus vite, plus on balance de cadeaux, plus vite on aura fini. Voilà. Ouais, j'avoue, c'est chaud en fait. Je propose, ce qu'on fait, c'est que du coup, on donne directement comme le facteur, on leur donne les cadeaux, ce sera plus simple. Ouais, ce sera beaucoup plus simple. On va faire ça. Vas-y, pose-toi là sur la rue, au pire. Tut, on arrive. Voilà. Je trouve pas que les rennes, ils ont l'air un peu empaillés, genre. Ah si, ils sont un peu bizarres. Bon, on va prendre un cadeau. En fait, vu qu'on a quasiment tout balancé dans la première maison, il reste plus grand-chose. Donc, on va donner un cadeau par maison. On va toquer ici, là. On va sonner. Vas-y. Toc, toc. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est les lutins du Père Noël. Oui, c'est ça. Oh, trop bien, c'est mon MacBook. Non. Ouais, si, c'est ça, donne-lui le cadeau. c'est un MacBook, ouais. C'est fini, madame. Oh, merci beaucoup. Merci. En fait, c'était le grippin qu'on lui a donné, je crois. Oui, je crois aussi. Je crois. Faut vite qu'on parte avant qu'elle le remarque. Allez, on va donner le prochain cadeau. Hein. Attends, c'est où déjà ? Là. Hop, c'est bon, on est à nouveau. Si, on est d'accord, c'est l'intention qui compte, c'est pas le cadeau en soi. En soi, oui, c'est l'intention qui compte. Voilà. Allez, on va offrir à la maison suivante. C'est le dernier cadeau, celle-là. Bah, il en reste encore deux, je crois. Ok, bah, ce sera pour nous les derniers. On donne celui-là et puis on garde le reste pour nous. Hein. Quand même, à un moment donné, c'est beaucoup d'efforts de travailler pour le Père Noël. Donc, on va tout garder pour nous le reste. Hein. Toc, toc, toc. Ah, bah, la porte est ouverte. Bonjour. Bonjour, c'est les lutins du Père Noël. On vous ramène les cadeaux. Ah, trop bien. Le cadeau. C'est quoi dedans?
Oui, monsieur, c'est cadeau. Qu'est-ce que vous vouliez, monsieur, déjà? Moi, je voulais un McDo. Attendez, vous avez dit quoi? Un McDo. Un McDo. Oui, un bah McDo. C'est. Ouais, oui, bah c'est un McDo, monsieur. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas un peu. Vous avez quel âge, monsieur? Moi, j'ai 7 ans. Je m'appelle Stitch. Ah, vous êtes sûr que vous avez 7 ans, monsieur? Parce que vous avez l'air un peu grand quand même, non? Non, ça va. Enfin, c'est juste que, en fait, je tourne les McDo, j'ai mangé. Ça m'a fait une poussée d'artichaut. Et du coup, je suis devenu très grand. Ah bah, vous avez vos jours de chance, parce que bah, c'est un McDo qui vient de Finlande. Ouais, yes. Ah ouais, trop bien. Ouais, de la pony plutôt. Ouais, de la pony, ouais. Ouais, c'est ça. Vous voulez en bon appétit à vous, monsieur. Non, ça ira. Ça ira, monsieur. Bon appétit. A plus. Et je vais manger ça, là. Mmh. Ah, vite, il faut partir. Il fait un peu bizarre, le client, là. Ouais, et j'avoue. Bon, bah, on a fini, hein. Ouais, c'est grave. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on rende le traîneau au Père Noël et on va aller se coucher avec nos cadeaux, hein. Ouais. Du coup, comme ça, demain matin, il va se réveiller et puis il va retrouver son traîneau, il pourra pas repartir comme ça. Bah ouais, il va être content, il va se dire « Oh, tous les cadeaux, ils ont été distribués, mais trop bien. Ils sont trop gentils, ces enfants. » Allez, on va le laisser juste à côté. Hop. Voilà. Allez. Bonne nuit, Papa Noël. À l'année prochaine. Bisous. Mouah. Moi. Attends, non, mais on a oublié le plus important, faut qu'on prenne les cadeaux. C'est vrai, les cadeaux. Voilà. Attends, après, ça, c'est pour moi. Et voilà, après, t'as pris le temps. Voilà, ça, c'est ma grande maison de Barbie. Au moins, je l'aurais eu. C'est ma Ferrari. Bon, allez, je vais. Vas-y, on les met sur le sapin, là. Ouais, tiens, on va le mettre. Hop, le sapin. Et comme ça, bah, les parents, ils auront même pas su qu'on est sortis cette nuit. À demain. Je suis fatiguée. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Flash info. Ok. Apparemment, aux dernières nouvelles, nous aurons le Père Noël qui a été retrouvé mort. J'espère qu'il aura un successeur. Par contre, là, ça me gratte les pieds là. Quoi là ? C'est quoi ce truc ? Merde. Bon. Voilà la fin des infos. Merci de nous avoir suivis et sur ce, à bientôt. Attends, monsieur Papa Noël. Monsieur le Père Noël, vous êtes immortel, non? Ah! Excuse-moi. Il a amorti ta chute, le Père Noël.